Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jojo. C'est moi, ton humble transmetteuse de yoga par ici. Merci d'être là. On est plus de 83 000 alors. Un immense merci à vous tous et toutes. Continuez à pratiquer, partager, propager le yoga. Aujourd'hui, en l'honneur de l'année du dragon, nous allons pratiquer une séquence de yoga dynamique qui est un peu codifiée, qui a été créée par Paul et Suzy Grilly. Et c'est la danse du dragon. Donc, on va rester entièrement debout, on va bouger de façon fluide, on va essayer de faire circuler l'énergie, fluidifier l'énergie et nourrir le feu intérieur. À tout de suite sur le tapis. Nous allons commencer tout à l'avant du tapis en posture de la montagne. Pour cette posture de la montagne-ci, je t'invite à mettre les pieds sous les hanches pour avoir un bon écart, un bon appui. Et pourquoi pas joindre les mains devant le cœur. Fermer les yeux pour te recentrer quelques instants. Réveiller le dragon en toi. Puisque c'est bien cet animal légendaire que nous allons invoquer avec nos mouvements, notre souffle, notre flot. On va commencer par faire la séquence de façon lente, en restant un peu dans les postures, puis on le refera une fois, un souffle, un mouvement. Détends ton visage, ancre bien tes talons. Recentre-toi. Inspire profondément. Expire pour relâcher les bras le long du corps. Puis tu vas passer ton poids sur ta jambe gauche et avec tes mains qui montent vers le ciel, tu aideras comme ton genou droit à monter. Expire dans la posture de la montagne à une jambe. Si tu as peur de chuter, n'hésite pas à t'appuyer contre un mur comme je viens de le faire, un meuble ou à baisser un petit peu le pied pour pouvoir être près du sol au cas où. Quoi qu'il arrive, regarde droit devant toi maintenant. Sens ton énergie d'ancrage, de présence. Et ton feu intérieur qui s'active déjà un petit peu. Inspire encore, dernière. Expire pour envoyer ta jambe droite loin derrière. Fais-toi confiance, pose tes orteils loin, pose tes deux mains à l'intérieur de ton pied gauche. Et dans ton lézard, tu peux rester ici, regardant le sol, les mains ou les poings sur le tapis, ou des briques si tu en as. Tu peux aussi descendre avec ta poitrine, ton oreille droite vers le tapis. Si c'est dans ta pratique, tu peux même essayer de te poser au sol, mais ne force rien. Tu peux aussi poser ton genou si rester là, c'est un peu trop intense. Respire bien, observe, trouve ton juste milieu. Celui qui nourrit le feu intérieur sans en faire un énorme brasier qui détruit tout sur son passage. Expire. Garde ta main droite au sol, inspire, bras gauche monte sur le côté, puis vers le ciel, pente en torsion. Expire, détends l'épaule, détends le cou, tu peux regarder ton pouce gauche. Inspire, n'hésite pas à poser le genou si c'est plus stable. Expire. Dernière inspire, touche le ciel. Expire pour reposer la main gauche à l'extérieur du pied. Et pousser sur tes jambes, tes bras pour le chien à trois pattes. Tu peux reculer un peu les mains. Si tu le souhaites, monter ton pied gauche vers le ciel. Ajuste-toi de sorte que tes deux hanches soient au même niveau. Ta jambe plus ou moins tendue. Ta poitrine qui fond vers ta cheville derrière. Inspire encore. Et expire, amène ton pied gauche entre tes mains. À nouveau. Toujours le genou décollé si possible. Inspire, les bras montent. On s'étire vers le ciel. Expire, plie tes coudes à angle droit. Ouvre la bouche et fais un souffle sonore. Encore, si jamais tu l'as loupé. Dernier. Comme le dragon. Repose délicatement tes mains au sol. Inspire, chien à trois pattes à nouveau. On va y passer beaucoup de fois, donc installe-toi bien. Expire pour niveler tes hanches et tes épaules. Inspire encore.
Expire, pied gauche entre les mains. Ne pose pas ton genou droit, fais un grand cercle avec le bras droit, puis avec le bras gauche, on passe au milieu, puis fente de l'autre côté. Installe-toi bien. Main gauche reste où elle est. Inspire, bras droit vers le ciel, dans la torsion. Installe-toi, genou se pose ou pas. Détends le visage, convoque ton feu intérieur. Serre les deux jambes vers la ligne médiane. Inspire, touche le ciel du bout des doigts. Expire, pose tes deux mains de chaque côté du pied droit. Ancre-les bien et inspire, chien à trois pattes. Recule tes mains si nécessaire. Aligne-toi bien. Inspire encore. Expire, on va glisser le pied droit sous le bras gauche. Le faire sortir du tapis. Et poser notre pied gauche sur la tranche. Inspire pour ouvrir le bras gauche vers le ciel. Si tu veux cambrer un peu plus, n'hésite pas. Triangle qui tombe. Expire, les deux mains reviennent au sol. Ancre-toi bien. Inspire, chien à trois pattes. Expire, pied droit entre les mains. Les mains décollent. Inspire. Expire, les bras en cactus, on souffle par la bouche. Inspire encore. Expire. Dernière. Inspire, les mains reviennent au sol. Chien à trois pattes. Expire, installe-toi bien. Inspire encore. Expire pour amener ton pied droit entre les mains. Appuie-toi bien sur ce pied droit, plie ton genou, décolle le pied gauche. Et là, si tu peux, planer tes bras vers l'arrière, guerrier 3. Sinon, les mains peuvent être sur les briques ou vers le sol. Ou sur tes jambes. Et étire-toi. Inspire, 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 aspire le nombril sur l'expire. Inspire encore. Expire pour poser les deux pieds côte à côte. Lâchez ton buste vers le sol. Pince. Reste un petit peu là si tu veux. Détends ton dos, ton cou. Et inspire, plonge en avant avec la tête. Expire, montagne. Avance-toi bien vers le fond du tapis. On va faire la même chose de l'autre côté. Les pieds sous les hanches, respire calmement. Ancre ton pied droit. Inspire, montagne. Expire, les mains devant le cœur. Observe. Expire, relâche les bras le long du corps. Inspire, les paumes montent au fur et à mesure que le genou monte. Le pied gauche décolle un petit peu. Expire, dans la posture où tu te sens bien, restons là un petit peu. Regardons loin devant nous. Aidons-nous du support si besoin. Inspire encore. Expire. Inspire, dernière. Et expire, envoie ton pied gauche loin, 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 loin. Tes deux mains à l'intérieur du pied droit. Lézard. Ta version de tout à l'heure. On reste un petit peu. Concentre ton souffle. Sens le troisième chakra ici, le plexus solaire qui se réveille. Sans les hanches qui s'ouvrent. Super, garde ta main gauche là où elle est. Inspire, bras droit s'ouvre sur le côté, torsion. Expire là. Inspire, bras monte. Expire, épaules se détendent. Dernier inspire, touche le ciel. Expire pour reposer les deux mains de chaque côté du pied droit qui revient bien au centre. Tiens à trois pattes, inspire.
Expire pour t'y installer. Inspire encore. Expire, pied droit entre les mains. Pose ou pas ton genou. Inspire, les bras montent. Expire, on souffle par la bouche. Ah, coude se plie. Ah. Inspire, on le fait encore deux fois. Et les mains se reposent. Chien à trois pattes, inspire. Expire, pied droit entre les mains. On fait la roue avec les bras pour passer de l'autre côté. Super. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, là. Inspire encore. Expire. Serre les jambes vers le milieu. Dernière, inspire. Expire pour libérer. Inspire, pied gauche vers le ciel, vers notre chien à trois pattes. Expire, le pied gauche glisse sous le bras droit. Et on le pose loin du tapis. On essaye de s'ouvrir, le bras droit décolle, on pousse les hanches vers le ciel. Tu peux tendre tes deux jambes. Expire, on redescend. Chien à trois pattes. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, on monte. Expire, cactus. Ah. Inspire. Expire, cactus. Ah. Inspire. Dernière. Ah. Et on repose les mains au sol. Inspire, chien à trois pattes. Expire, la nivelle. Inspire, le talon monte. Expire, pied gauche entre les mains. Prends appui sur ton pied gauche. Inspire pour décoller le droit. Avec ou sans brique. Si c'est sans brique, peut-être que les mains peuvent planer. Loin derrière. Guerrier 3. Plane ici. Dernier inspire. Éloigne tes doigts vers l'arrière. Expire, les deux pieds se rejoignent. Et on lâche le buste vers la pince. Détends ton cou. Détends tes jambes. Prochaine, inspire, plonge en nez en avant. Tête vers le ciel. Expire, montagne. Prends ton temps pour revenir tout à l'avant, t'installer, te déposer. On va refaire, mais cette fois-ci, une inspiration, un mouvement, une expiration, un mouvement, de façon fluide. Du mieux que tu peux. Pas d'injonction. On fait comme on peut. Inspire les bras le long du corps. Expire, main devant le cœur. Petit temps ici pour bien placer tes pieds et te recentrer. Inspire. Expire, les bras redescendent. On s'appuie sur le pied gauche. Inspire, genou droit monte, les mains aussi. Expire vers le lézard. Inspire, bras gauche vers le ciel. Torsion. Expire, chien à trois pattes. Inspire, chien à trois pattes. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, bras vers le ciel. Expire, cactus une seule fois. Inspire, vers le chien à trois pattes. Expire, front bas. On marche vers l'arrière. Prochaine, inspire, bras droit vers le ciel. Expire, chien à trois pattes. Inspire, chien à trois pattes. Expire, triangle qui tombe, les deux jambes se tendent, les pieds se placent sur leur tranche, bras gauche vers le ciel. Expire pour reposer la main. Inspire, chien à trois pattes. Expire, pied droit entre les mains. Les mains décollent, inspire. Expire, les bras en cactus, on souffle par la bouche. Inspire, les mains reviennent au sol. Chien à trois pattes. Expire, pied droit entre les mains.
Inspire vers ton guerrier 3. Et expire-y. Et là, inspire. Et au choix, pince ou bien sans passer par la pince, on revient vers la montagne à une jambe, main vers le ciel, genou vers le ciel. Et sur une expire, on repose le pied. Si tu es en pince, inspire pour remonter. Et on se rejoint les bras devant, le long du corps. Bravo, pause. Inspire dans la montagne. Expire les mains devant le cœur pour un petit temps d'observation. Le cœur qui bat, le souffle qui se réveille. Le feu qu'on nourrit. Et prends appui sur ton pied droit un peu plus. Utilise une expiration pour lâcher les bras le long du corps. Inspire, genou gauche monte, paume vers le ciel. Expire vers le lézard, le pied gauche loin, les deux mains à l'intérieur du pied droit. Inspire, ouvre ton bras droit, grandis ton buste. Expire pour revenir poser les mains au sol. Inspire, chien à trois pattes. Expire, pied droit entre les mains. Prends ton temps. Inspire, bras montent une seule fois. Expire, bouche ouverte. Inspire, chien à trois pattes. Expire, pied entre les mains. Inspire pour passer dans l'autre sens. Expire pour t'installer. Inspire dans la torsion. Expire, chien à trois pattes. Inspire, chien à trois pattes. Expire vers ton triangle qui tombe, deux jambes tendues, bras vers le ciel. Inspire, inspire, inspire. Expire pour redescendre. Inspire, chien à trois pattes. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, bras montent. Expire, on ouvre. Inspire, dernier chien à trois pattes. Expire, pied gauche entre les mains. Ancre-toi. Inspire vers le demi-grand écart. Ouh, guerrier 3. Inspire là. Expire, soit dans ta pince, soit en passant le genou vers l'avant. Inspire, peut-être le genou vers le ciel, montagne à une jambe. Ou redresse ton buste vers la montagne. Et expire, on redescend. Tu peux garder quelques instants tes paumes vers le ciel pour recevoir toute la belle énergie. Calmer le rythme du souffle. Calmer le rythme cardiaque. N'hésite pas, si tu as le temps et l'envie, à refaire ce flow. Le faire de façon plus fluide, plus rapide, moins rapide, doser selon ton énergie du jour. Je joins les mains devant mon cœur pour te saluer, pour te remercier d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séquence t'aura fait du bien. N'hésite pas à me le dire en commentaire ci-dessous, à liker la vidéo, à la partager à qui en aurait besoin. On pratique en ce mois de février 2024, si tu pratiques en direct, tout un calendrier de séquences autour du thème de Satya, la vérité. Donc ça compte aussi dans comment on pratique avec honnêteté envers son corps. Donc c'est vraiment la grosse partie de l'élève. Le professeur, la professeure peut transmettre des postures, mais c'est vraiment à l'élève de les pratiquer dans sa vérité. Donc j'espère que ça te plaira. Je te mets tous les liens en description ci-dessous. N'hésite pas à aller voir. Merci à tous ceux qui participent à la cagnotte pour soutenir la chaîne. Un immense merci, vous êtes indispensables. Et j'espère vous voir vite. À bientôt.